Voici l'épée en pierre. Voici l'épée en or. Bon là pour le coup, c'est vraiment bling bling. Voici l'épée en fer. Donc voilà. Voici l'épée en diams. Donc voilà. Et maintenant accrochez-vous bien, on va passer au coup critique. Bah, je passerai aux autres items après. Donc hop, on va la prendre en sharpness. Les chevaux aimeraient sortir, ils ont le seum parce qu'ils sont coincés. Ok, vous allez morfler les potes. Donc on a les particules simples qui sont des pépites d'or. Donc ce qui fait que c'est des petites particules pour les coups de sharpness. Vu qu'on les voit fréquemment par exemple en PVP, P4, tout ça, c'est pas dérangeant. Après on a donc les coups critiques qui sont des lingots de gold, n'est-ce pas mon jeune cheval. Hop, voilà, et donc quand on associe les deux, attendez, je vais me faufiler dans le truc. Hop, 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 hop. Attendez, on va pas en tuer un, pour en faire respawn quelques-uns, voilà. Donc voilà. Personnellement, je trouve que ça a assez de gueule, pardon. Hop. Donc on va voir, bah tiens, pendant qu'on y est, vite fait les inventaires. Donc c'est jaune, un petit peu doré, voilà. Pour la majeure partie des inventaires, il n'y a que l'inventaire de base qui est modifié. Donc voilà, il ressemble à ça, avec mon skin que j'ai mis ici. Vraiment là pour le coup vraiment une très belle couleur, un très bel inventaire tout simplement. Bah tiens, maintenant qu'on est en game mode 0, on peut voir également donc la jauge d'XP, les cœurs ainsi que la jauge de nourriture qui sont des pommes shit. Donc voilà, un truc assez sympa. Et pendant qu'on y est, on va profiter également de ce magnifique sky. Donc alors franchement le ciel c'est pas moi qui l'ai fait, mais je peux vous dire que quand je l'ai trouvé, c'était probablement la vidéo ressource pack la plus paumée de YouTube. Et j'ai trouvé ce sky dedans. Donc voilà, je trouvais ça énormissime. Donc voilà, bah tiens, pendant qu'on y est, on va mettre un search time set night. Donc voilà, ça garde la même apparence pardonnez-moi, je cherche le mot, de nuage, mais en version plus foncée, tout simplement. Donc on va laisser la nuit, tiens, en attendant. Donc pareil, le feu que j'ai gardé, c'est toujours celui que j'utilise dans mes packs, de toute manière, il est trop bas, la lave et l'eau que je vous ai montré tout à l'heure, donc voilà. Toc. Alors on va se mettre en game mode 1 pour pouvoir prendre les items dans les items frame. Hop. Donc on a les popos. Oups. Non, ça c'est une chauve-souris. Les popos. Donc les particules de popo splash sont les étoiles. Voilà, basique, le truc qu'on revoit dans la majeure partie des packs. Mais que j'aime beaucoup, donc je préfère garder. Donc on a les potions, le contour qui est légèrement modifié, voilà, un truc assez cool. Après on a pareil, les potions sont de base mais avec le bouchon un petit peu modifié, donc voilà, pareil, donc quand vous buvez ça prend les particules comme cela. Donc voilà, tout de même après je vous passerai une petite séquence PVP pour que vous puissiez voir ce que ça rend. Donc bah, le feu je vous ai montré, par contre on va éteindre, on va faire le Kang là. Hop. Donc il n'y a que les certains items que j'ai modifiés, donc c'est les pioches. Voilà, pour les mineurs intensifs, ça peut être pratique. Et les haches, par exemple, pour ceux qui jouent viking, tout ça, donc voilà, c'est pour vous. Il n'y a que ces deux items que j'ai modifié, pour le reste, j'ai laissé de base. Je sais pas si j'ai utile de modifier, par exemple, l'appel, tout ça. On s'en tape un peu la cacahuète. Donc l'arc, alors l'arc, il est trop putain stylé. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a un streeteux qui était en mobilette et tout, voilà. Hop, donc... assez sympa l'arc, franchement, juste excellent. C'est un truc que j'apprécie quasiment le plus dans le pack. Faut qu'on shoot cette bitch. Mais je suis une bite, donc c'est. On va laisser tomber. Ah, j'ai touché je crois en plus. Non, bon je sais pas. Je vais pas faire le héros non plus. Donc voilà, full gold encore une fois, l'arc. Assez sympa. Hop. Et voilà. Toc 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 toc. Donc attendez, je vais reprendre un seau d'eau. Voilà, donc on a le saut d'eau et le saut de lave qui ont gardé l'apparence de base, mais avec une petite animation dans le saut. Donc ça, ça fait au moins 4 mois que ça existe, ces deux-là, mais j'ai préféré les reprendre parce qu'ils sont franchement assez cool. Hop, donc voilà, vous avez vu, la boussole en or. Donc voilà, une petite reprise avec la pack de base, tout simplement. Pour ce qui est des protections, eh bien, elles sont de base. Je vous l'ai déjà dit, ça, pourquoi je mettais comme ça, parce que... Pourquoi se gonfler à mettre un truc en détaillé? De toute manière, ils sont très sympas les protections de base. Et puis au moins ça fait pas du tout lag quand on PVP. Donc voilà. Toc 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 toc.